من العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر يستسقيه يسقيني أمد مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Merci de nous rejoindre sur قناة القرآن الكريم en compagnie des gens du rappel, dont M. Kamel Chkett, théologien et membre fondateur de l'association des oulémas du Sahel. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous entamons la deuxième semaine du mois de Ramadan, inshallah. Oui. Et nous nous posons toujours cette question, comment profiter de ce mois-ci pleinement? En fait, les voies sont multiples, parce que c'est un mois qui se prête justement à l'assiduité au culte, à l'adoration de Dieu. Quand vous savez que le messager de Dieu, alayhi salatu salam, a dit que c'était un mois où les portes du paradis sont ouvertes, il y a cette porte spéciale qui s'appelle Rayyan aussi, où les portes de l'enfer sont fermées, et même quand on dit cela, on ne peut pas restituer la portée même du texte en langue arabe, rulliqat abwabul jahannam, ça veut dire que fermé, mais de manière solidement fermée, et il y a une sorte de fermeté dans cette fermeture. Et puis il est dit que les plus rebelles, les plus méchants, on va dire, d'entre les démons sont enchaînés. Donc la tentation diminue. Bien sûr, certains nous disent, oui, mais bon, comment expliquez-vous qu'il y ait autant de problèmes, les rixes, les je ne sais quoi, pendant le mois de Ramadan? Le verset parle de shayatin al-ins, shayatin al-jinn, et non de shayatin al-ins. Parce qu'il y a de l'âme de la personne elle-même. Oui, parce que nous avons aussi dans le genre humain des provocateurs. Des petits apprentis diables qui restent diables tout au long de l'année. C'est ça le problème. Donc, c'est un mois qui est vraiment propice à opérer une halte à tous les niveaux. C'est-à-dire, bon, déjà, sur le plan purement pratique, c'est une halte normalement qui est censée favoriser une sorte de mise à jour pratiquement du corps avec tout l'aspect bénéfique, toutes les vertus du jeûne. Sur le plan physique, purement physique. Oui. Mais en plus de cela, il y a cette elle ouverture. Elle est double, la purification, en fait. Oui, oui, elle est même plus que double. Elle a peut-être des vertus que nous n'arrivons toujours pas à capter, que peut-être les générations futures pourront entrevoir avec l'avancée scientifique, parce que c'est l'avancée scientifique qui nous permet à l'heure actuelle de comprendre encore mieux ce fameux hadith du prophète, alayhi salatu wa salam, sur mutasihho. Et donc, c'est un moment où l'être humain est censé se poser. Même les grands théologiens arrêtaient leurs activités. L'imam Ahmed le disait, « Kunna idha ja'a Ramadan, ghalqna kutub al-fiqh wa fatahna al-mushaf. » Nous fermions juste nos livres. Juste pour la lecture. C'est, bon, quand on lit le livre de Dieu, on est à l'écoute de Dieu. On est à l'écoute de la parole de Dieu. Quand on est en prière, on est généralement dans la supplique. C'est nous qui parlons à Dieu. Mais quand on lit, bien que nous sommes dans l'action, nous sommes dans une posture plutôt passive. C'est-à-dire, nous sommes alertes. Et normalement, c'est des moments... Nous sommes censés être alertes. Nous sommes censés être alertes. Parce que lorsqu'on voit la concurrence sur la lecture à plusieurs reprises en un mois, oui, en 30 jours, je suppose que je ne suis pas la seule à le voir, on voit des gens qui font la concurrence. Moi, je l'ai lu 5 fois durant 30 oui. jours. Moi, je l'ai lu 6 fois. Moi, je me pose cette question. J'aimerais bien comprendre comment on arrive à lire. Moi, c'est possible oui, de oui. faire dans la vitesse. Dans les... Est-ce qu'on arrive vraiment à comprendre le Coran lorsqu'on le lit plus de 2 fois le mois? Les grands maîtres, les spécialistes du Coran, ceux qui ont vraiment l'habitude de le lire, ils peuvent faire une lecture jour même. Ceux-là peuvent le faire. Parce qu'ils l'ont appris aussi, ils le connaissent par cœur. Quand ils lisent, ils bougent à peine les lèvres. Donc, vous savez, quand vous ne faites pas, c'est automatique. Là. C'est quasiment plus une lecture, en fait, là.
Non, mais ils sont, attention, non, ceux qui sont, honnêtement, et ça on l'a vu chez plusieurs de nos maîtres, quand ils lisent le Coran, ils sont embarqués, ils sont dans une autre dimension, C'est carrément. carrément une transcendance. C'est la transcendance, ils sont dans la transcendance, ils sont vraiment vers le haut. Ils arrivent à, il y en a qui arrivent à faire ça. Mais nous, on ne parle pas des Nous grands parlons maîtres. On est des. en train de Oui, parler c'est. des gens comme moi, Oui, comme la comme majorité moi des gens. aussi, attention, c'est une seule Vous êtes rotation, bien pas plus. modeste. Non, 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 c'est une réalité, vous savez, c'est même pas de la modestie. C'est un mois justement où l'on est censé opérer cela. Et quand vous lisez ce Coran, quand vous prenez le temps de le lire, de méditer, ça vous ouvre des voies, que vous le vouliez ou non. C'est quelque chose, c'est un sentiment, c'est une expérience qu'on ne peut soumettre à l'analyse scientifique pure, même si les neurosciences permettent de plus ou moins d'estimer ce qu'est l'activité religieuse ou ce qu'est le ressenti même de cette activité religieuse sur l'être, les variations chimiques que cela opère au niveau du cerveau, ça c'est vrai, ça existe. Mais en termes maintenant d'expérience humaine, c'est quelque chose de transcendant, comme vous l'avez dit. Donc plus vous allez vers la transcendance, plus vous allez vous détacher de tout ce qui peut se calculer avec l'intelligence humaine actuelle. Donc c'est. Alors pour les gens ordinaires, comment doit se faire cette lecture du Coran? C'est une. Premièrement, la base normalement devrait être, je lis le Coran parce que je suis plein pied dans le mois du Coran et j'ai juste envie de plaire à Dieu. Je lis D'accord. ce que je peux. C'est tout. Faites comme ça, commencez comme ça. Et vous allez voir, peut-être, il y a des moments où vous allez pouvoir lire 2, 3, 4 chapitres, il y en a d'autres où vous allez lire peut-être une ou deux petites sourates et vous allez peut-être vous mettre à réfléchir. Et cette même réflexion est ce qui est souhaité de par cette lecture du Coran. L'idéal, c'est toujours de faire dans la qualité et non dans la quantité. C'est ça le plus important. Donc, je lis le Coran, je me mets à cette lecture du Coran, c'est un acte d'adoration. Le fait déjà de réciter le Coran, vous êtes plein pied dans l'adoration. Ce n'est pas un moyen qui va vous permettre d'accéder à un stade d'adorateur. Vous êtes dans l'adoration, ibada, carrément. Et donc, commençons comme ça, tout simplement. Ne pas se fixer d'objectifs pour rester vraiment concentré sur l'essentiel. Parce qu'il y a des gens qui vous disent. Cette année, je me suis fixé comme objectif de le lire 3 fois. C'est-à-dire, tous les 10 jours, je fais une lecture complète. Donc voilà, c'est le cas. C'est bien, c'est bien de se fixer comme ça des défis, mais à condition de rester justement focalisé sur ce qui est souhaité par cette récitation C'est-à-dire du de Coran. comprendre l'essence de... Essayez, oui. Pourquoi ne pas, par exemple, hein, je parle ici d'expérience, c'est ce que j'ai fait. Alors, est-ce que je dois lire complètement le Coran pendant le mois de Ramadan ou est-ce que je commence à le lire, mais de manière sérieuse? J'ai commencé à lire, je vous parle il y a peut-être 30 ans de cela, et j'ai commencé une lecture et je me suis fait aider d'un abrégé de l'exégèse de Tabari en 2 volumes. Et à chaque fois, je retournais à l'exégèse pour essayer de comprendre un peu plus. Et j'ai pas compulsé tout le Coran, je ne l'ai pas terminé pendant le mois de Ramadan, mais je l'ai terminé 3 ou 4 mois plus tard, mais avec une somme de connaissances exégétiques qui était non négligeable. D'accord. Et ça vous Et vous le permet faisiez de. quotidiennement? Oui, ça Quotidiennement. c'est un exercice parce que bon, j'ai commencé ce cheminement déjà dans les années fin 80, donc Mais ça bon, fait. c'est un conseil aussi pour J'étais. tous, hein, Oui, et pour tous, pour... oui. Non, non, mais c'est ce que je conseille aux gens de faire. Comme ça, vous pouvez avoir une idée de ce que vous êtes en train de lire. Vous avez dans le Coran, Les il y a Loukéennes, ce. une page.
Oui. Une petite, vous savez, d'ailleurs même, il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui, j'ai fait comme beaucoup de gens quand j'étais imam, je faisais des exorcismes. Et je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que ce que nous faisions, c'était du pipeau, disons-le comme ça, D'accord. parce que Parce que là, j'ai tiqué un peu. les cas vraiment de possession démoniaque, les cas où vous êtes plein pied dans une autre dimension, vous pouvez les compter sur le bout des doigts, et c'est des expériences que vous ne pouvez en aucun cas oublier. Vous vivez des choses incroyables. Le reste, c'était pratiquement de la psychothérapie. Donc on allait, on sortait, il y avait des médecins avec nous, etc. Et on essayait de trouver des solutions. Vous avez un schizophrène que vous allez convaincre qu'il est possédé par un démon. Ensuite, bon, le démon, il est sorti. Maintenant, tu dois prendre des médicaments pour t'aider à reprendre. Et il prend des médicaments et tout va bien. C'est que ça marchait comme ça. De la suggestion, en C'est fait. lui, Une forme de c'est de suggestion. l'auto, oui, Oui, de vous le. Oui. l'autosuggestion Oui. en ce qui le concerne. Donc quand il y a des gens qui viennent jusqu'à présent me dire, voilà, je ne sais pas, on m'a peut-être jeté un mauvais sort, un truc maléfique, je ne sais pas, j'entends des voix, et je lis, en tout cas le Coran, je lis beaucoup, hein, c'est sourate al-Baqara, c'est on continue à la maison. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Parce que là, autant pour vous que pour votre entourage, écouter le Coran va devenir, ça, si cette tendance a débuté en une période de crise, avec le temps, le fait d'écouter un verset coranique ou une récitation, quelle qu'elle soit, une psalmodie par exemple, ça va automatiquement replonger les gens dans ce souvenir de Oui. crise. Et le Coran n'aura peut-être jamais sur vous cet effet De souhaité, sérénité, oui. escompté. Oui. Il sera Donc, mélangé à de la peur, à de oui. l'angoisse Donc, ce ou. que je dis aux gens, lisez. Lisez, faites-vous consacrer 15 minutes par jour à une récitation réfléchie, et puis une récitation où vous allez essayer, on leur demande de respecter les voyelles langues, le moudoute, à deux Ah, la temps, à lecture, six temps. oui. Ya ayyuhalladhina, c'est six temps, on compte. Et je leur dis, ça vous permettra de faire travailler votre diaphragme. C'est une sorte de yoga que vous allez faire tout en lisant le livre de Dieu. 15 minutes par jour vaut mieux qu'une lecture qui va, je sais pas moi, il y a des gens qui passent toute sourate al-Baqara en 2-3 heures, peut-être un peu plus. Et lui, il est en train de lire et il y a Iblis qui est là et qui lui dit, tu vois, tu approches de la fin et il s'opère rien. Et c'est vrai, c'est une réalité parce que les gens sont pressé d'arriver à un résultat. Non, il faut, à mon sens, aller toujours vers ce qui est utile, vers ce qui est souhaité, faire dans la qualité et non dans la quantité. C'est bon pour les gens de faire. Je suis admiratif de ceux qui arrivent à faire 4 ou 5 fichards. C'est très bien, c'est tant mieux C'est pour vrai vous, qu'on pour eux, pardon, et ça renforce aussi la arrive même à être mémorisation. complexé, Oui, c'est clair. hein. Mais je pense que ceux qui n'en ont pas l'habitude, allez vers cette lecture, faites en sorte qu'il y ait entre vous et Dieu un moment d'intimité au quotidien. Vous allez lire de manière posée, vous êtes avec Dieu. Anta fi hadratillah, tabaraka wa ta'ala. Vous Subhan. êtes là, vous êtes avec Dieu. Il y a une anecdote qui me revient maintenant en mémoire. Il y a l'un des disciples de l'imam Ahmad est venu lui dire, j'arrive, je lis le Coran une fois chaque nuit. Alors c'est une lecture complète chaque nuit. L'imam Ahmad lui a dit, ah bon, et tu arrives à le faire? Oui, bien sûr, et je le fais sans problème. D'accord, très bien. Dorénavant, quand tu liras, fais comme si tu le faisais devant moi, c'est-à-dire en ma compagnie. Le lendemain, le disciple arrive et il lui dit, ah, tu as lui le Coran hier et tu as pu terminer. Il lui dit, non, je m'imaginais devant vous, maître, et il fallait que je sois vraiment. Il a encore, on va dire, enjolivé un peu sa lecture, respecté beaucoup plus les règles de récitation, etc. Donc ça a pris un peu plus de temps. Il lui a dit, alors, aujourd'hui, quand tu le liras, imagine-toi dans une dimension céleste et que c'est Dieu ou c'est les anges qui sont à l'écoute. Et ça encore, il a lu encore moins et puis ça allait comme ça.
histoire, c'était. Je pense que l'imam Ahmed voulait expliquer à la personne en question que ce qui était souhaité, c'était la qualité et non la quantité de cette récitation. Oui. Donc il faut tout simplement, tout comme vous commencez le mois, et je pense que tout le monde est animé d'une très très bonne intention oui. à la veille du mois de Ramadan, on est tous là, on se dit tiens, c'est une cette chance. Fois-ci... Cette fois-ci, je vais pas louper le coche, non. parce qu'on le loupe chaque année. et puis, et donc, oui. rester dans cette hadniya hadim leha, il faut rester dans ça. C'est tous les jours, il faut essayer de ne pas louper au moins demain. Oui, et donc faites ça. Et puis, même si vous loupez, non, il y a matière à se récupérer. Ne vous en faites pas, parce que rahmat Rabbi wasa, c'est tout. Inch'Allah. On compte beaucoup plus sur la miséricorde de Dieu. Nous ne sommes pas comme les. Absolument. Donc, c'est ça, c'est commencer. Oui. Commencer tout simplement avec une bonne intention. C'est l'intention qui va en tout cas tout déterminer après par la suite. Inch'Allah. Et tout ira bien, Inch'Allah. D'accord. Alors, celles qui loupent aussi souvent, c'est les femmes. Oui. Pas toutes. Mais en tout cas, c'est vrai que les femmes passent énormément de temps dans la cuisine durant le oui. mois du Ramadan. Je ne sais pas pourquoi. On a pris, je parle pour moi, on ma a famille, pris des, on a pris l'habitude depuis des années. C'est ma maman, Rabbi Yahfadha, qui a été... Il y a, c'est la cuisine une fois tous les deux jours, pas plus. Alors on me dit à l'oreillette, comment ça vous ne savez pas pourquoi? Mais c'est les hommes qui obligent les femmes à leur mettre des tables bien garnies oui, et bien servies. Attendez, non, non. Mettons-nous d'accord sur une chose. Les hommes sont les patrons, mais c'est les femmes qui commandent en fait. Oui. Oui, non, il y a un compromis à faire valoir, non. Normalement, même les hommes... Moi, de toute manière, depuis toujours... Non, mais ils ne disent rien, les hommes. Oui. Non, mais il n'y a aucun problème. Non, non, il y en a qui ne sont pas du tout conformes à l'esprit chevaleresque du prophète. Nous savons très bien qu'il y a des hommes qui, pour lesquels, pour peu que la shorba soit un peu fade, ça peut partir en vrille, c'est la castagne. Malheureusement. « Nahadou man atabrohum shirjal » Point barre. Il n'y a pas no comment, il n'y a rien, il n'y a pas à commenter. Mais il serait bon d'aller dans cette... Il y a l'économie qui est souhaitée pendant le mois de Ramadan. Je me souviens, on s'arrangeait même à la maison entre nous pour que s'il y a une invitation en cours, il faut qu'elle se fasse le jour même où il y a du frais, pas du réchauffé. Et ça permet aux femmes de ne pas passer. Oui, mais bon, c'est une réalité. C'est une réalité. La majorité des femmes passent énormément de temps les trois premières semaines du Ramadan dans la cuisine pour l'iftar. Ensuite, les cadeaux de l'Aïd. Et donc, oui. forcément, oui. la nuit, elles sont très fatiguées. Et la journée, oui, mais bon, il y a aussi ne négligeons rien. Nous ne sommes pas dans l'étude d'un phénomène qui a trait à la religion, nous étudions un phénomène qui a trait aux us et coutumes, oui. à la culture même. Mmh. Je suis désolé de le dire aussi oui. à toutes les femmes, c'est un peu votre culture, vous les femmes, qui fait ça. Mmh. C'est un problème. Il faut savoir dépasser... Dépasser tout cela et se mettre d'accord avec tout le monde. Ou alors essayer de trouver du temps oui, durant oui. la journée ou durant la soirée. Ou... Normalement, c'est faisable. Oui. Le mois de Ramadan n'est pas le mois de la bouffe oui, de la et encore moins de la malbouffe. Oui, absolument. Oui, je suis désolé Mais parce que ça. Oui. Non, une nourriture saine, c'est une chose. Et avoir 10 000 plats sur une table, ça devient de la malbouffe. Scientifiquement parlant, c'est dangereux. Donc, c'est vrai. Normalement, l'idéal serait d'aller vers ce type de compromis, c'est-à-dire on fait la cuisine le premier jour, le deuxième jour on est dans du soft, on réchauffe, on mange voilà. un tout petit peu, parce que c'est ce qui est recherché par le jeûne, entre autres. Et c'est vrai que nous sommes dans des cultures où la chose ne cesse de persister. Puis nous l'avons vu tout récemment, en plein, alors que nous sommes censés respecter un confinement, rien que pour Zlabia et Qalbelouz, il y a eu des cohues comme pas possible. Donc c'est le mois de Ramadan aussi est une halte quant à stopper, pondérer ou freiner cette culture du tube digestif.
Oui, absolument. Et nous, nous plaçons le mois de Ramadan sous le signe de la culture du tube digestif. C'est-à-dire, c'est une forme de, c'est une des shahawat qu'on n'arrive pas à maîtriser durant le mois du Ramadan, celle du ventre. C'est malheureux. Oui. C'est vraiment malheureux parce que parce qu'elle est maîtrisable. Elle est vraiment maîtrisable. Puisqu'on arrive à la maîtriser durant 16 heures ou plus. Mais que je finalise, c'est pas possible. C'est... Mais je ne sais pas le. Modérer. Il faut essayer de modérer au maximum. Tout simplement, l'insan, ce que je me dis, je vais le dire, bdarja, yachem ala ardo, quand on voit c'est les informations, c'est, quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, honnêtement, même ici chez nous, le peu que vous ayez sur la table est une source de réjouissance incroyable. Et puis même les enfants ne croyez pas que les enfants vont en pâtir si vous ne faites pas beaucoup. Nous avons remarqué chez les enfants que pour peu que tout le monde soit là, le père est heureux, la maman est heureuse, l'enfant il est heureux. Il n'a pas besoin d'avoir une table digne d'un hôtel 5 étoiles pour être heureux. C'est pas du tout ça. Mais en plus, pour certains, ça va jusqu'à l'endettement. Alors, vous pouvez nous joindre sur le 021 39 43 43 ou le 021 37 42 87 pour poser vos questions à M. Chiquette. Donc, c'est l'occasion, donc le Ramadan, de lire le Coran, d'essayer donc de se corriger. Absolument. De corriger son comportement, de corriger ses actions, de corriger Nia. Oui. C'est, vous savez, avec cette année est un peu spéciale, elle est inédite. Nous sommes cloîtrés chez nous, nous sommes à la maison, nous sommes dans l'intimité, et ceci normalement devrait nous aider à aller vers justement cette intimité qui est recherchée, ou que devrait favoriser le mois de Ramadan entre la créature et son créateur, entre l'adorateur et l'adoré, qui est Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, plus vous restez seul, et nous avons des emplois du temps normalement qui est... Il y a un appel? Oui, allez-y. Excusez-moi. Donc, nous avons avec nous Esma de Blida. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très très contente de vous avoir, comme ça on pourra parler sur le sujet qui est très très sensible auquel vous abordez aujourd'hui, c'est le gaspillage de la nourriture. Barakallahu fik cheikh ou barakallahu fikoum ala al-hissa. Surtout de nos jours, comme elle dit ma mère, fi ahd al-corona. Rana fi ahd al-corona, on voit que les gens gaspillent beaucoup la nourriture et à cause de la nourriture, on les trouve avec ils font des chaînes pour la glabia et la kalbelouse, la chaîne qui m'appelle Tawabir, Tawila, kilométrate ou kilométrate, où vraiment, vraiment, c'est. Yani, on peut l'appeler Arbia, moutassifatit ben li hadd zahira. Oui. Yani, zahira li blhaq, au lieu, on est dans un mois sacré, le mois de Ramadan, où on jeûne. Comme vous aviez dit tout à l'heure, on doit aussi faire reposer notre appareil digestif, mais les gens ne comprennent pas ça. Et ils n'arrivent pas à répondre aux besoins de shahawat, yani shahawat l'akl hadi, et vraiment, naqdrou ntahkmou fiha à 100%. Naqdrou ntahkmou fiha, parce que scientifiquement, si on va dire ça à notre cerveau, naqdrou ntahkmou fi shahawat l'akl. Et vraiment, elle n'est pas obligatoire, yani, de n'akul le qalblouz ou la n'akul flabia, sinon si yami ma idjouj. Oui. Mais c'est n'akul min jami al jazaïriye, n'y ra ou n'yishoufou fina, y'a ou y'sem'ou fiya, ou y'sem'ou fi shir, n'hom, y'ilta ou bizdikr, bil-Qur'an, bil-Salat, y'thessou bil-Siyam l'hadd l'am, l'annou rana m'twajdin kulna fi manazil ta'na, ou n'hafadou ala l'hajr s-sihi, بالحق رمضان عنده طعم اخر نسمعوا الاذان تمتم نروحوا نصليو اون با بيزوين داتون تخبطوني على الاكستيريور نكونوا مع ولادنا نعلموهم القران ايات قران نكونوا مع امهاتنا مثلا باسكو اون دي مامون بيان دي بابا لي سي دي فرانكوفون
سي لوكازيون اللي تجبدوا القران ونقراو معاهم شويه ايات قرانيه ونفسروا لهم بعض الايات اذا امكن. يعني il faut profiter de ça et profiter de toucher, de rendre le ramadan beaucoup plus tangible à l'ayam li fatet, beaucoup plus spirituel. Merci Esma. Voilà, alors c'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous remercie beaucoup et j'espère que Rabbi yirfa alina had el marad w had el bala w had el da, et merci beaucoup pour l'émission. Merci. Et à l'occasion, oui, à l'occasion je dis à, parce que ana je suis de l'Arba'a, min madinat el Arba'a mutawajjida fi wilayat el Bouleida. Je demande à tous les Blédéens et à tous les Arbéens, bon, au 09, de respecter le confinement vraiment, de le respecter. Et merci beaucoup. Allah yisalmak Asma, sahaftork. Alors, juste quand même, c'est important de... C'est vrai que ce n'est pas obligatoire de manger ces sucrés. Ce n'est pas pour le détail de manger, mais ce n'est pas aussi interdit. Bien sûr, bien entendu. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas interdit d'aller acheter dans ces conditions-là. Ce qui est nécessaire, c'est de respecter les mesures barrières. Oui, de respecter, et deuxièmement, oui, si vous permettez, il est très important de comprendre qu'il y a des gens... Économiquement parlant, il y a des gens qui vivent de ça, de la vente de Zlabiya, oui, et qui profitent donc de Ramadan pour avoir peut-être un salaire pour un mois ou deux mois. Donc nous ne pouvons pas aussi pointer du doigt ces personnes-là sous prétexte qu'elles vendent Zlabiya. Non, mais c'est pas... C'est très important, non, aussi de comprendre... Ce ne sont pas ces artisans, non, ce ne sont pas ces artisans-là qui sont pointés du doigt, loin de moi cette idée. D'ailleurs, même quand dans les discussions qui ont lieu actuellement sur cet allègement qui a touché pratiquement tous les commerces, ben, on en a parlé. Il était tout à fait normal parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi vivre. Il tout à fait. Bien que ces gens-là vivent, mais honnêtement, aller faire participer pratiquement à une bataille rangée dans un lieu où, pour acheter une denrée, quelle qu'elle soit, je trouve qu'il y a là un manquement à la dignité humaine qui est tel que, subhanallah, je suis désolé de le dire de manière aussi crue. Il m'est arrivé, justement. Et ça, ce sont des habitudes, hein, que oui, ce oui, soit pour cette année ou l'année dernière. De toute manière, vous savez, nous sommes, il faut commencer à reconnaître ses propres défauts pour évoluer. Nous sommes un peuple à majorité, qui est dans sa majorité un civil. Vous l'avez, il y a des photos qui circulent sur certains réseaux sociaux. Vous avez dans, je ne sais pas si c'est une poste ou une administration, je pense que c'était une poste. Alors, il y a vous avez au sol toutes les délimitations pour respecter la distanciation sociale, mais vous avez des gens qui, chacun d'eux, a un petit pharaon dans le cerveau et qui, non, moi je passe, je ne veux rien savoir. Et on le remarque. J'ai eu l'occasion d'aller chez un opérateur téléphonique pour régler un problème. Bon, nous sommes quelques personnes là qui sont en train de respecter cette distanciation sociale, et vous avez des gens qui arrivent, qui sont bien habillés, chez lesquels tout indique qu'ils sont instruits, qu'ils ont un cerveau qui fonctionne normalement, mais qui ne respectent rien. Mais alors rien du tout. Donc c'est ça qu'il va falloir corriger. Pas oui, le fait qu'il y ait un artisan qui fasse de la zabie. Oui. Alors, nous avons aussi avec nous maintenant M. Bouteiba de Blida. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Wa shakum labas. Alhamdulillah, Allah yatik. Alhamdulillah, Allah yibarak fik. Moi, j'ai la chance d'être bilingue. Il y a une question que j'aimerais poser. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il est préférable de méditer beaucoup plus sur le Coran
que de lire comme ça plusieurs fois, répéter, il est beaucoup plus préférable de méditer, d'essayer de comprendre et tout. Et comme on a la chance de pouvoir lire en arabe, est-ce que le fait de lire tafsir, ce n'est pas une forme de méditation bien meilleure que celle que nous faisons nous-mêmes? C'est bien. Je sais que lorsqu'on commence à lire tranquillement, essayer de réfléchir sur chaque mot, la signification, etc., c'est bien, on médite bien. Mais est-ce que ce ne serait pas préférable de lire les méditations des autres? Par exemple, ces derniers temps, je suis en train de lire Tafsir Ash-Sha'rawi rahimahullah. Lui, au départ, il dit que moi, je ne l'explique pas le Coran. Moi, je mets c'est les pensées de Sha'rawi. C'est-à-dire, je médite, si je m'exprime comme ça, je médite sur le Coran. Alors, je pense que parallèlement à cette méditation personnelle, il est préférable de se pencher sur les réflexions des savants, des gens qui ont beaucoup plus la faculté de s'exprimer, etc. Mais j'aimerais bien avoir votre avis sur cette idée, et aussi le fait de lire comme ça sans trop comprendre. Il y a aussi le hadith qui dit « Kul harf ba'ashar hasanat ». Là aussi, il y a le rasid, il y a le compte tal et saint qui va être enrichi. C'est clair, oui. Alors, je pense, à mon avis, qu'il faut faire la part des choses. Méditer, c'est bien, lire les méditations des autres, et aussi réserver un petit temps pour lire. Lire, oui. Bien sûr, lorsqu'on connaît un peu l'arabe, etc., on comprend, même quand on est uniquement, qu'on connaît uniquement l'arabe. L'arabe, il y a déjà, en lisant, parce qu'en fait, c'est de l'arabe, oui. En quelque sorte. On comprend quand même, et on comprend un peu. Et je pense qu'il faut faire la part des choses. Je ne sais pas si c'est. Bien. Je me suis exprimé clairement. Merci, M. Bouteiba. Nous avons aussi avec nous Aziz de Marseille. Salam alaikum, Aziz. D'accord, il va rappeler peut-être tout à l'heure. Alors oui, c'est ça, oui. Le compromis est là. Bon, il faut savoir une chose. Quand on dit qu'il faut méditer, à ne pas confondre. La lecture du Coran est une chose. La lecture d'un Coran accompagné d'une exégèse est une autre chose. Ça n'a absolument rien à voir. Oui. Ça prend plus de temps et ça n'a pas la même valeur. Mmh. Un Coran, c'est un Coran. Une exégèse, c'est une exégèse. L'idéal serait de faire une lecture au quotidien. Bon, si on peut terminer tout le Coran. Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit lire le Coran en un mois ou en 15 jours. Et quelqu'un ça, lui a dit je pourrais le lire en 3 jours. Oui. Il y en a qui le font. Le 3 mais jours, lui, normalement, lui a dit, le professeur Lassel, lui 3 a dit jours, le c'est le minimum. Oui. 3 jours, il a dit, c'est le minimum. Mais il y a Khassat al-Khassa qui peuvent faire beaucoup plus. Mm. Vraiment, qui peuvent faire. Il y en a qui peuvent faire une lecture au quotidien. C'est-à-dire que c'est quelque chose très, très faisable chez eux. Et ça prend à peu près 7 heures pour certains. Ça prend 7 heures et ils articulent très, très bien les. Mais ce sont des gens qui, déjà, en termes de connaissances, qui ont un background qui est terrible, oui. Mais qui sont là, ils vivent le Coran, c'est-à-dire qu'ils le respirent carrément. Ça, c'est des gens un peu spéciaux. L'idéal serait de lire, d'avoir un moment. Et là, le moment, bon, le meilleur moment, c'est « Wa Qur'an al-Fajri, inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda ». Donc, le meilleur moment de récitation, c'est avant l'aube, et de préférence, en plein prière, c'est ça qui est le plus souhaité. Mais j'irai vers autre chose. Je laisserai à chacun cette liberté que d'essayer de trouver ce qui l'arrange le plus. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que les gens prennent du goût dans ce qu'ils font et prennent cette habitude. Ensuite, on pourra essayer d'aller, généralement on essaye d'aller vers l'excellence. L'excellence, il y a des moments choisis, ou la lecture du Coran, ou bien le fait de se mettre en prière a plus de mérite qu'à d'autres moments. Mais pour commencer, une quantité suffisante pour vous,
Parce que ça ne sert à rien de lire et de à un moment donné, d'en avoir assez. Ça de veut lire absolument... et de se dire, il me reste combien, il me reste combien pour arriver à la fin oui, juste... oui, c'est ça le problème. Bon. Donc lisez ce que vous pouvez lire, et puis faites-vous accompagner, si possible, d'une exégèse pour essayer de comprendre. Vous savez, il y a des... je suis en train de faire sur Alger-Chain 3 une émission qui s'intitule Subtilité coranique, au pluriel. Donc il y a des versets comme ça sur lesquels on essaye de méditer. Et le début, j'ai fait une sorte d'appel à une lecture réfléchie et raisonnée et intelligente du Coran. Vous lisez des versets, par exemple, vous passez par un verset où Dieu vous dit, Dieu s'adresse aux Arabes, aux Mekwa, aux musulmans tout court, parce que l'ibratu bi'umum illaftila bi'khusus sabab, même si un verset a été révélé suite à des causes qui ont conduit à sa révélation, il n'en demeure pas moins que par la suite, l'enseignement se puise du verset lui-même et non de sa cause de révélation. Et donc, j'ai donné comme exemple un verset où il est dit « Wala tukrihu fatayatikum ala al-bira ». Certains, une personne comme ça qui entendrait ce verset, « La tukrihu fatayatikum ala al-bira » ne contraignez pas. Oui, ne contraignez pas. Oui, Dieu est pardonneur par rapport à celles qui ont été contraintes. Mais le problème, c'est qu'une fois, j'ai été contacté par une personne qui me dit « Voilà, j'ai un problème avec un verset. Ah bon ?» Voilà, je lis ce verset. Alors, les Arabes, absolument. Ces musulmans, ils contraignaient leur fille à aller se prostituer. Non. Le Coran, premièrement, et là, il y a des subtilités. Le Coran dit « fatayatikum ». Il ne dit pas « benatikum ». Comme il a dit, par exemple, pour le voile, « yaya nabi qul les azwajika wa banatika wa etc. wa nisa'i al-muslimina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. C'est pas du tout la même chose. Le fatayat ici, c'était toutes les femmes au rang d'esclaves qui étaient au service des maîtres. En plus, celui qui a été visé par ce verset ou cette bribe de verset, c'est le chef, la tête pensante des hypocrites de Médine, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. C'est lui qui, alors que l'islam est venu avec toute une éthique, une nouvelle manière de concevoir la vie, lui, il persistait dans cette pratique malsaine qui existait chez les Arabes de l'ère pré-islamique, qui envoyaient leurs esclaves à la prostitution pour faire un surplus d'argent, tout simplement. Lui, en dépit de tout ce qu'il avait comme richesse, etc., il persistait à le faire. Et il a été rappelé à l'ordre par un verset qui a été révélé au messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Et c'est comme ça, donc, quand vous lisez des exégèses, surtout le monsieur dit qu'il lit celle de Sha'raoui, qui est trop riche. Oui. Sha'raoui, quand on l'entendait déjà faire expliquer le Coran, on avait l'impression qu'il venait tout juste d'être révélé. C'est incroyable. Donc, quand vous lisez en parlant Fatayatikum, quand vous lisez Imra'atuhu, ou bien Sahiba, ou Al-Mar'a, ou Zawja, dans le Coran, ça n'a pas le même sens. Quand vous. Daraballahu matalan lilladina kafaru Imra'ata Nuhin ou Imra'ata Lot. Quand il dit Imra'a, ça veut dire que la femme en question était en désaccord avec le mari. Et pour preuve, la femme de Lot et la femme de Noé ont trahi ces deux messagers, alayhim salam. Quand vous entendez le mot sahibatuhu, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à partager. Plus rien. Yawma yafiru al-mar'u min banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi lati tu'wi. Sahiba, c'est le jour de la compagne, la femme qui était son épouse dans la vie d'ici-bas. Le jour du jugement dernier, c'est chacun pour soi. Donc il n'y a plus de compte commun entre les deux ou de relations communes. Et ce n'est que quand il est dit « Zawjatuhu » que l'on comprend que tout va bien entre les deux personnes. Par moment, pour un petit problème qui n'est pas d'ordre relationnel, mais quand il y a un problème dans le couple, le mot « Imra'a » est utilisé, comme c'est le cas pour... Sidna Ibrahim et Sidna Zakaria qui avaient des problèmes quant à concevoir un enfant. Donc,
c'est le mot imra'a qui revient. Donc c'est quand vous lisez une exégèse, surtout quand vous allez vers Yadé, pour ceux qui ont la possibilité de lire surtout l'arabe, moi je conseillerais quelqu'un comme Samra'i pour aller vraiment dans ce qu'on appelle bayan, dans l'éloquence. Mais lisez, prenez le temps de lire ce que vous pouvez lire, parce que la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, et le messager de Dieu a dit, Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit donc fa'tu minhu ma istata'tum, et puis le messager de Dieu a dit daruni ma taraktukum fa in amartukum bi shay, quand je vous commande quelque chose, faites-en ce que vous pouvez. Oui. Donc commençons par cette logique et essayons de nous faire aider par une exégèse de référence, parce que c'est avec, justement, en lisant ces exégèses... Parfois, les exégèses, elles sont difficiles à lire. Il y en a qui sont super simplifiées. Mm. Vous avez... Comme Sharawi, c'est possible, même si on ne peut pas lire, on peut le voir, parce qu'il a carrément enregistré oui. toutes les... Vous avez, à l'heure actuelle, vous savez, vous avez des... Vous avez quelqu'un comme Naboulsi, oui. qui en a une qui est sur le net. Vous oui. pouvez la voir dans son intégralité. Oui, oui. Je ne sais pas, elle fait peut-être 14 heures au total. Mm-hmm. Où c'est très, très bien distillé, c'est très bien synthétisé. Et puis, c'est un maître qui vous offre aussi sa propre expérience de la vie. C'est pour ça que les exégèses, chacune a... Les kullin minha raunaquha, c'est-à-dire que... Ça permet aussi de varier ce qu'on fait. Absolument. Pas seulement lire, on regarde aussi parfois, donc on écoute. Ça nous permet de ne pas sentir. À l'heure actuelle, des êtres humains, cette monotonie. Oui, à l'heure actuelle, Tafsir Sharawi, il est disponible online, c'est-à-dire que vous pouvez avoir tout l'audio. Carrément son site officiel. Oui, vous pouvez avoir tout l'audio. Il y a même tout récemment circulé une application qui vous donne accès à toute son exégèse. Donc, essayons de faire ça. Essayons d'aller vers cette qualité. Ne pas trop se surcharger, parce que comme nous l'a dit le prophète, nul ne rivalise avec la religion sans que la religion le brise. Hein. C'est clair. Donc il faut aller vers ça. C'est-à-dire rivaliser ici. C'est à essayer de faire preuve de... L'en yushad ahadun din, c'est à peu près comme ça. Et dans le verset, dans le hadith, il dit soyez optimistes. Oui, c'est-à-dire je vais faire le maximum. Non, ça ne sert absolument à rien. Quelque chose qui un petit peu qui dure vaut mieux que beaucoup qui ne dure point. Ouais. C'était ça la logique du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Donc il faut privilégier cette piste. C'est comme ça qu'il faut aller. Mais comme l'a bien si bien fait noter l'intervenant, quand vous lisez le Coran, vous comptabilisez des hasanat. Pour chaque lettre, c'est l'équivalent de 10 bonnes actions ou 10 points. Donc je vous laisse imaginer ce que vous pourriez faire. Comme il l'a dit, le compteur, il monte en flèche. C'est une bonne chose pour ceux qui peuvent vraiment soutenir ce rythme. Mais ma foi, si vous êtes là juste lire, oui, allez, je suis en train de... Oui, je lis, et je sais que je suis dans mon imaginaire, je suis en train... Oui, la chose est en train de grossir. On n'est pas dans cette logique. Et puis, c'est une logique, justement, qui a tendance à se vulgariser, surtout par le biais des réseaux sociaux. Les gens vous envoient, voilà... Cette phrase, quand tu la récites, voilà ce qu'a dit le prophète, tu attends de Hassanat. Si tu l'envoies à 40 personnes, voilà ce que tu pourras faire. Et si tu fais ci, tu fais ça. Et on vous comptabilise pratiquement au quotidien ce que vous allez avoir. Non, la ta'uddu Hassanatikum, walakin uddu Sayyatikum, comme l'a dit Ibn Mas'ud à un groupe qui discutait justement de cela dans la mosquée. Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes en train de compter ou de quantifier nos bonnes actions. Oui, parce qu'il y a ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit que. Le jour du jugement dernier, il y a des gens qui vont venir avec des montagnes de hasanat qui vont être brûlées juste à cause d'une mauvaise parole. C'est ça. On a dit du mal de quelqu'un. Comptez plutôt vos mauvaises actions. Parce que c'est à partir de là justement que va s'enclencher le renouveau, le départ, la réforme, la mise à jour. Appelez ça comme vous voulez. Et le mois de Ramadan, justement, il est fait pour ça.
Alors, je voulais en fait vous reposer la question sur ce sens-là de rulliqat abwaabu jahannam. Oui. Concrètement, je vais être dans la comptabilisation. Concrètement, ça veut dire quoi pour les musulmans ? Rulliqat abwaabu jahannam. Ça veut dire que. Vous savez. C'est-à-dire que. Quoi, que si on fait des erreurs, si on décède, si, parce que ça revient aussi ces questions-là. Ça veut dire quoi ? Rulliqat abwaabu jahannam durant le mois du ramadan. Quel impact sur le musulman ? Ça veut dire que vous êtes tout simplement dans une période qui est vraiment propice aux bonnes actions et à tout ce qui peut vous mener droit vers le paradis. D'accord. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Mais je pense que quand le hadith dit « Rulliqat abwaabu jahannam », vous savez, nous sommes censés prendre les textes fondateurs à la lettre. D'abord. D'abord, oui. Et si Dieu dit… C'est-à-dire une explication littérale, en fait. Littérale, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. Mmh. Le fait de… c'est une fermeture qui demeurera symbolique, qu'on le veuille ou non. Mmh. Ça ne veut pas dire que, de toute manière, même si quelqu'un meurt pendant le mois de Ramadan et qu'il ait fait les 400 coups, son jugement, il aura lieu le jour de la résurrection, pas maintenant. Mmh. Et donc, le fait que ces portes de l'enfer soient ouvertes ou fermées ne change absolument rien à la situation. Mais je pense que si le hadith dit « Rulliqat abwaabu jahannam », dans mon esprit, je parle pour moi, j'ai des portes qui se ferment carrément. Et j'ai d'autres portes. C'est-à-dire que les portes de la tauba, de la repentance sont ouvertes, sachant que la repentance, oui. c'est Dieu qui vous amène à vous repentir. Oui, mais bon. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Oui, mais vous, quand vous faites un premier pas vers Dieu, Dieu fait de votre côté plus qu'un pas. Donc, c'est comme ça aussi que ça marche. J'adore ce verset. Oui, c'est un hadith divin. Plutôt, c'est un hadith divin, oui. Hadith Qudsi. Donc, c'est ça. C'est quand on parle de Tawba ou même de Hidayah, il est vrai que il y a différents stades à cela. Il y a tout d'abord ce... tout récemment, je parlais dans un média aux neurosciences et à leurs études du phénomène religieux tel qu'il est ressenti actuellement chez l'être humain. Il semble qu'il est inné et le Coran nous parle de fitra. Mais pour parler déjà de Tawba ou bien de Hidayah, parce que c'est Dieu qui vous guide vers telle ou telle chose, nous partons de ce principe. Mais n'oublions pas que nous avons déjà en nous un programme initial qui est propice à cela, qui favorise la chose. C'est-à-dire si les gens... Vous savez, depuis les années 70, avec le développement économique et industriel, l'Europe a connu une désertification au niveau des églises. Les gens ont déserté les églises. Oui. C'est bon. Mais les sociologues ont remarqué qu'en dépit de cela, les gens restaient attachés à Dieu ou à une idée de religion. À une certaine spiritualité. Oui, et beaucoup ont parlé... Religiosité. Et beaucoup ont parlé d'appartenir, de croire sans appartenir. Mm-hmm. Une foi sans appartenance. Believing without belonging. Et beaucoup ont dit, ça c'est la religion du 21e siècle. Beaucoup l'ont, ça y est, ils ont dit, bon, les religions vont disparaître, maintenant c'est la science, la technologie, et les gens resteront connectés à l'au-delà par un phénomène que nous n'arrivons pas à expliquer. Sauf qu'avec le temps, on s'est rendu compte que non, il y a déjà des premières expériences qui ont eu lieu, déjà, il y en a une en 97, où l'on s'est rendu compte, suite à une analyse de l'activité électrique du cerveau, que chez ceux qui se disaient athées, chez ceux qui se disaient croyants, il y avait une différence. Elle était l'activité plus intense. Oui, l'activité plus intense chez ceux qui sont religieux ou qui appartiennent à une obédience, quelle qu'elle soit. Oui. Ça me rappelle. فَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Mais ça, c'est applicable aux musulmans seulement. Oui, mais bon, le Coran, oui, aux croyants, aux musulmans. En l'unicité de Dieu. Oui, mais attention, vous allez retrouver peut-être
une fibre chez un chrétien qui croit en Dieu, chez un juif qui croit en Dieu, que vous n'allez peut-être pas trouver, qui est quasiment absente chez quelqu'un qui se dit athéiste. Ah. Même si, mais attention, même si l'athéisme n'existe pas, du moins selon ce que l'on trouve chez les philosophes. Donc on va poser la question aux agnostiques lorsqu'ils sont dans un problème, lorsqu'ils sont, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans la mer, lorsque leur bateau risque de couler, ou lorsqu'ils sont dans un avion. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'il faut leur poser la question, êtes-vous croyant ou non ? Beaucoup diront oui. Oui. Parce que beaucoup se tourneront. Oui, c'est ça. Et non, beaucoup, non. Je connais des agnostiques en Occident qui disent je crois en Dieu. Il est agnostique de cette manière, c'est-à-dire je crois en l'existence de Dieu, mais je suis dans une croyance sans pratique. On laissera ça juste après cet appel. Linda de Paris, je pense. Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Linda. Oui, salam alaykoum. Comme salam alaykoum. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai aimé de vous avoir au téléphone. Marhaba, ça fait plaisir. Je voulais participer à cette émission. Par rapport au confinement, nous aussi on est confinés depuis 2 mois. Et le ramadan, c'est d'habitude, on va avec nos voisines, avec toute la population, tous les musulmans, enfin, Tarawih, et là on est à la maison. Par contre, on a trouvé une solution avec les sœurs, mashallah. On a fait un programme avec le Zoom, avec son ordinateur. On a fait un programme, par exemple, le matin. Juste après le Salat al-Fajr, on fait Tilawa, deux Hizb. Après, chacune va faire ses... Et le soir, on fait Dua, comme ça, pour mobiliser, motiver les sœurs, parce que si on les laisse dans les cuisines, son programme, ses sœurs, elles vont y aller faire la cuisine automatiquement. Et comme programme, tous les jours, on a fait... un contrat moral avec les sœurs, qui nous a fait ce programme. C'est un programme ou c'est une application? Juste avant le Maghreb, juste après le Maghreb, on fait des doigts et des tesbih. Le tesbih. Et la sœur nous a motivé aussi de lire le Coran. C'est 3 fois, minimum 2 à 3 fois pendant le mois. Et avec Tadabour, si on ne sait pas, on va vers elle, parce qu'elle est dans une école, elle fait l'école USH, si vous connaissez. USH, oui. Alors, on est plusieurs, on est, mashallah, plusieurs personnes, on est 16 à 20 personnes, à être au même moment, on laisse tout, hein, on s'organise. C'est vrai, la journée, mashallah, elle est longue, c'est pas vrai, on peut pas, on arrive, on a tous des enfants, 3-4 enfants. Et comment on a fait le pacte avec les sœurs, avec cette sœur, eh bien, on s'organise à faire à manger, une fois tous les 2 jours, comme le monsieur, mashallah. Et on est à l'heure, elle nous dit 5h30, elle nous dit 19h30, eh bien, on est là, les sœurs, elles sont là. Et franchement, ça nous fait du bien. Comme on ne va plus à la mosquée, eh bien, ça nous a fait énormément du bien. C'est comme on y va. On apprend beaucoup de choses avec Tadabour et Tesbih. Franchement, c'est vrai, le confinement, ça nous a changé la vie. On s'est rapproché énormément. Et finalement, on peut s'en passer des magasins, on peut s'en passer des achats. Sauf 2 choses qu'on n'a pas pu. C'est Qurb, il est là, se rapprocher d'Allah. Et corps médical, on a besoin de se soigner. C'est les 2 choses qu'on a remarqué qu'on ne peut pas vivre sans. Mais les autres choses, 2 mois, on ne fait plus les magasins, sauf pour manger, mais alhamdoulilah. Merci Linda. Je voulais aussi saisir l'occasion parce que mes parents, ma mère, elle est de Blida aussi, j'y pense beaucoup à eux. Ils sont confinés depuis 2 mois et... Ma mère, elle est une personne âgée de 80 ans. Et mon frère, il travaille dans une clinique privée. Le pauvre, il a eu une pression énorme parce qu'ils ont eu peur qu'il
qui tombe malade, qui contamine ma mère comme elle a une maladie chronique. Il allait même, il voulait même démissionner, mais moi, si je lui dis non. Même ma soeur d'ici qui vit ici, on lui a dit non. Si toi tu démissionnes, c'est un démission. Ces gens-là, ils vont pas être soignés. Il faut être là pour eux. Alhamdulillah, du coup, doucement. Alhamdulillah. Inch'Allah. Alhamdulillah, c'est ce confinement, c'est un khir. Tout ce qui vient d'Allah, c'est un khir. Parce que, n'a'an Rabbi Subhanahu, que du khir. Il n'y a jamais du négatif. Ce qui vient de nous, oui, on peut se tromper, c'est vrai. Mais d'Allah, alhamdulillah, tout est positif. Mais inch'Allah, on va rester comme on est. Et que ça, inch'Allah, on va s'en sortir parce que Allah, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que Shah Ramadan, Shah Rahma. Rahma, inch'Allah, tinzal alina bi idhnillah. On est conscient, on a de l'espoir et on a siqata fillah bi idhnillah, inch'Allah. Merci Linda pour votre participation. Inch'Allah, on va revenir avec une autre pensée du côté positif, inch'Allah. Wa barakatuh pour cette émission. Allah yassalamak. Inch'Allah. Merci Linda, c'est bien d'être positif. Bien sûr. Allah ibarak. Elles arrivent à s'organiser et donc elles ont créé un groupe de lecture et de dhikr. Oui, apparemment elles ont quelques érudites parmi eux, puisqu'elle a cité l'IESH, qui est un institut des hautes études islamiques en France, dont je salue les dirigeants, qui font un boulot magnifique. Hein. Ils arrivent, ils ont même, je crois que des... Ils ont même des doctorants en plein Paris. Hein, il fallait le faire, hein, oui. Surtout dans un pays comme la France. Donc, Rabbi Oufak, Inch'Allah. Pour revenir donc à ce que nous disions tout à l'heure, donc il y a une sorte de programme chez beaucoup de scientifiques qui normalement favoriserait toute idée de croyance chez l'être humain. Ensuite, quand nous parlons de repentir, d'aller vers cette repentance, nous sommes plein pied dans la guidance elle-même, les hidayah. Alors ce programme initial, cette fitra, c'est ce qui va revenir dans le dialogue qui a eu lieu entre Moïse alayhi salam et Pharaon. Qala fa man rabbukum ya Moussa, qui est donc votre seigneur au Moïse. Qala rabbuna alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada. C'est notre seigneur est celui qui a donné à toute chose sa nature, sa création spécifique, puis la guider, la diriger. Tout simplement, vous avez les bestiaux qui sont là, ils sont au service de l'homme, vous avez des animaux qui ne peuvent l'être, même si vous avez l'exemple que j'ai l'habitude de donner, celui du buffle ou du zébu qui pèse, je ne sais pas moi, près d'une tonne. Vous allez dans le sud de l'Égypte, vous allez trouver une fille de 7 ans en train de tirer un buffle par le bout du nez et essayer d'apprivoiser un fennec. Mmh. Ça n'est pas du tout évident parce que l'un a un programme et l'autre en a un autre, tout simplement. Ouais. Et donc, ensuite, cette guidance, comme l'a décrit Ibn al-Qayyim, elle a des différentes positions. Lui, il cite 4 positions, mais bon, on peut les décliner au maximum. Mais en tout cas, en gros, vous avez un programme initial parce que Dieu n'est point injuste envers ses créatures. Ça veut dire qu'il vous a déjà prédisposé pour que... Ensuite, il y a l'effort que vous allez faire vous-même. C'est-à-dire que si vous allez vers Dieu, Dieu va vous faciliter toutes les voies qui mènent à Dieu. Quiconque donne, dépense dans le sentier de Dieu et croit en une fin heureuse, et ben nous allons la voie facile, nous allons lui faciliter l'accès à cette voie facile, et wal'aksu bil'aks, à l'inverse, femme wa man bakhila wastaghna wa kadaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Donc il y a ça. Et il y a des moments, Ibn Taymiyyah parlait par moment de Hidayatul Ilham, et on dit que c'est une sorte d'inspiration qui touche généralement les esprits aiguisés, les esprits supérieurs tels que les philosophes, les prophètes sont les premiers à être touchés par ça.
Ça, c'est quelque chose d'un peu spécial. Mais qui consiste en quoi, Hidayatul Ilham? Il faudra bien l'expliquer. Ah oui, Hidayatul Ilham, c'est... Bon, alors, quand vous parlez d'un prophète, vous êtes dans la science infuse, une science que Dieu donne à son messager ou à son prophète sans aucune explication. Elle est là, c'est la vérité vraie, comme on dit, peut-être qu'il y a une pratique derrière qui va s'avérer avec le temps compatible avec des données scientifiques, comme c'est le cas avec notre prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que nous parlons actuellement de i'jaz ilmi fi sunnah, donc insupérabilité scientifique dans la tradition prophétique. Et peut-être que jamais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a été autant valorisé que pendant cette période du coronavirus, où oui, tout le monde parle des mesures de Mohammed carrément. Oui, on parle, dans les sociétés qui ne sont pas musulmanes, on parle de mesures pratiquement mohammédiennes. Ça commence à prendre cette tournure. Et donc, pour quelqu'un qui est... Pour un saint, ça pourrait être, quand je dis saint, quelqu'un qui est vraiment pieux, vertueux, ça pourrait être quelque chose qui va se manifester par des faveurs divines, karamat. Et pour beaucoup de savants, ça a été un débordement de science, de savoir. Ils ont rayonné parmi les leurs et ils ont produit des idées originales. Parce que quand on parle de philosophie, tout le monde peut philosopher, mais qui parmi nous est en mesure d'accoucher d'idées vraiment originales qui sont utiles, avancer les choses. Oui, utiles à l'humanité. Oui. Rares sont ceux qui arrivent à faire ça. On arrive à tirer aussi certaines leçons du Coran à force de le lire. À force de le lire, certaines personnes, même en dehors des moments de lecture, ont je dirais presque révélation d'un sens ou d'une idée ou à propos d'un verset. Oui, oui, absolument. Ça peut arriver à n'importe quel... Mais est-ce que ça peut être... est-ce que ça peut arriver à n'importe qui? Et est-ce qu'il faut en fait lire souvent le Coran pour que ça puisse se concrétiser en fait? Ça, c'est... Vous savez, tout dépendra de la personne. Il y a des gens qui, en apparence, ne font pas beaucoup de choses. Mais le peu qu'elles font, elles le font, on va dire... Sincèrement. Sincèrement et pour Dieu. Donc, ces gens-là, Dieu peut-être va leur faciliter la chose beaucoup plus qu'à d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est comme l'ont dit bon nombre de personnes, Nahum ibn Aqil, j'ai oublié la parole, « dès lors où le savoir ou bien la science est un don divin, Dieu peut yiftahu Allahu 'ala al-muta'akhirin bima lam yiftah biha 'ala al-mutaqaddimin ou comme dit, c'est-à-dire que Dieu peut donner accès en termes de connaissances à certains contemporains ou tout dernier ce qu'il n'a pas donné aux premiers musulmans. Et honnêtement, quand nous avons évoqué le Cheikh Mtoul Charaoui tout à l'heure, il a été à la base de la résolution d'un certain nombre de dilemmes rien que pour le Sahn al-Ka'ba concernant Maqam Ibrahim, etc., quand il y avait les travaux de rénovation, il a donné des explications que les premiers n'ont pas pu donner. C'est drôle, c'est quelque chose d'un peu spécial dans la mesure où Dieu lui a ouvert certaines voies qu'il n'a pas ouvertes à d'autres, à des prédécesseurs. C'est donc les gens, généralement, peuvent justement développer cela. Il y a des gens qui, on le voit pratiquement tous les jours, il y a des gens comme ça qu'on considère comme étant des gens bien, tout simplement, qui sont bien, qui ne sont cités qu'en bien, donc ça ne peut être que des gens vraiment bien, qui viennent vous dire, voilà, je lisais tel verset, et ma foi, mon esprit est allé vers telle ou telle idée. Et la personne dans la discussion, en ce qui me concerne, me donne une idée d'émission, carrément. Donc je vais bâtir tout un... Et je vais me rendre compte que par peut-être grâce à un travail du cœur, cette personne a pu passer carrément par l'astrophysicien qui était tétraplégique, Stephen Hawking, ce qu'il appelait les trous de verre, les fameux trous noirs, lui, il dit que ce sont des couloirs qui sont des raccourcis. Alors, il y a des gens à qui Dieu donne justement ces raccourcis-là
et qui vont vraiment faire des perles de sagesse que vous pourriez prendre des années et des années pour pouvoir les atteindre. Ça peut exister. Mais il y a aussi un autre bénéfice dans la lecture du Coran. Une lecture, on va dire sèche carrément, une lecture tout court. Donnez à un enfant, surtout les enfants en bas âge, donnez-leur faites en sorte que vos enfants lisent le Coran le maximum de fois possible. Ils vont acquérir un jargon, une terminologie, une richesse lexicale terrible. C'est vrai. Et avec cette richesse, ils vont développer, vous savez que quand on est enfant, on a la zone du cerveau, on va dire, destinée ou affrétée à l'apprentissage des langues, est assez importante. Donc, et vous allez apprendre votre langue avec un certain instinct linguistique. Et toutes les langues que vous allez pouvoir apprendre, vous allez pouvoir les apprendre justement avec cet instinct. Nous le remarquons, nous qui sommes algériens, beaucoup d'entre nous ont des enfants qui parlent français, mais qui parlent français très très bien, qui utilisent par moments des termes, on est ahuri. Où est-ce qu'il a appris ça? Comment l'a-t-il appris? Et il en est de même pour la langue arabe. Le Coran est normalement le meilleur moyen pour justement faire exploser tout cela, faire germer dans l'esprit de l'enfant toute cette richesse linguistique, littéraire, etc. Donc même la lecture simple comme ça, elle peut être bénéfique. Tout à l'heure, nous parlions de lecture réfléchie. Quand nous parlons à l'adulte, nous parlons autrement. Mais pour les enfants, mettez-leur le Coran, essayez de faire en sorte qu'ils le lisent le maximum, même sans rien comprendre, et vous allez voir qu'avec le temps, ils vont développer des choses incroyables. Je me souviens, quand on était déjà gamin, on avait appris Juz Amma, et ben, au CEM, c'est le premier, le OCEM, on était les numéros 1, c'est-à-dire grâce à ce jargon, grâce à cette richesse coranique, on pouvait disserter, en parler, en discuter, en passer parmi nos congénères pour des érudits. Ouais. Donc ça ne peut être que bénéfique pour l'enfant. Oui, même pour l'articulation aussi. Absolument, absolument. Ouais. On a, je pense, une dizaine de minutes peut-être pour parler de Zakat al-Fitr. Oui. Puisqu'il y a eu cette décision de pouvoir sortir Zakat al-Fitr dès maintenant. Oui. Donc est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer qu'est-ce que c'est que Zakat al-Fitr et elle sert à quoi? Alors bon, quelle est la différence avec Zakat al-Mal? C'est l'aumône Zakat al-Fitr ou aumône de la rupture du jeûne est une aumône qui intervient spécialement pour le mois de Ramadan ou après le mois de Ramadan. Vous trouverez dans certains hadiths il y a déjà une divergence entre les différentes écoles de droit. Pour les Hanbalites, Shafi'ites et Hanafites, c'est une obligation religieuse. Farad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr. Pour les Malikites ou certains Malikites, ou du moins l'avis le plus répandu, c'est une tradition fortement recommandée, Sunnatul Muakkada. Mais il n'y a pas d'idée de ne pas la faire. Parce qu'il y a un hadith, Faman addaha qabla salati fahiya zakatun. Quiconque s'en acquitte avant la prière de l'Aïd, il a accompli ce qu'il devait faire. Et celui qui ne s'en acquitte qu'après la prière, c'est une aumône parmi tant d'autres. Mais même après la prière de l'Aïd, vous êtes dans l'obligation de le faire. Donc, quand vous lisez justement dans les études comparatives de droit canon, Fiqh Muqaran, qu'il est dit chez l'avis prépondérant chez les Malikites et que c'est une tradition fortement recommandée, ceci ne lui enlève pas pratiquement ce caractère obligatoire qui l'entoure. C'est une aumône qui a existé avant que l'aumône légale, Zakat al-Mal ou al-Hart, ne soit instituée. Et je crois que c'était, je ne sais plus si c'est Ibn Omar ou bien Abu Sa'id al-Khudari, qui disait nous jeûnions Ashura et nous nous acquittions de l'aumône de la rupture du jeûne
jusqu'à ce que le mois de Ramadan devienne obligatoire et que l'aumône légale soit instituée. Après cela, c'est devenu quelque chose de surérogatoire. C'est pour ça que chez les Malikites, certains disent que... Je crois que c'est l'avis en plus de l'imam Malik. Donc, Zakat al-Fitr, c'est une aumône qui intervient pendant le mois de Ramadan, de manière exclusive. Alors, vous allez trouver beaucoup de divergences. Par exemple, pour ce qui est déjà de s'en acquitter, le moment même pour la sortir, les Shafi'ites et les Hanbalites sont d'avis qu'elle devient redevable au crépuscule du dernier jour du mois du jeûne, Ghurub Akhir Yawm. Pour les Hanafites et les Malikites, c'est à partir, elle devient redevable avec l'aube du dernier jour, c'est-à-dire Laylat al-Eid. Et elle est valable jusqu'au lever du soleil, le moment où on va faire cette prière de l'Aïd. Et à partir de là, même leurs fetois vont changer. C'est selon les écoles. Chez les premiers, si quelqu'un meurt après le crépuscule du dernier jour, il est redevable de cette zakat. S'il meurt avant, il n'est pas redevable. D'accord. Chez les autres, ça, on va calculer sur le avant ou après l'aube. D'accord. Etc. Et il en est de même pour l'enfant qui est né avant le maghreb pour les premiers et qui est né après l'aube pour les seconds. Donc tout ceci pour expliquer que s'il y a divergence, c'est parce qu'il y a différentes manières d'aborder la chose. Et puis cette zakat, l'imam Malik ou l'imam Ahmed sont d'avis qu'on peut l'avancer à deux jours avant l'Aïd. Pourquoi ? Parce que pour permettre aux gens d'avoir assez d'argent pour bien profiter des joies de l'Aïd. Chez les Shafi'ites, on peut commencer à s'en acquitter à partir de la deuxième quinzaine du mois de Ramadan. Donc l'Ilt al-Nas, on peut commencer à s'en acquitter. Chez l'Ahnaf, vous trouverez des avis qui vous diront qu'on peut même s'en acquitter avant. Pourquoi ? Parce qu'on arrive avant, toujours. C'est-à-dire dès le début de Ramadan. Même avant. Certains, oui, qui sont un peu spéciaux, mais bon, c'est au début, mais d'autres disent avant. Pourquoi ? La divergence tourne autour du fait que cette aumône, est-ce qu'elle est intimement liée au jeûne ? Donc, elle va concerner tout le mois de Ramadan, et à partir de là, du premier jour au dernier jour, on peut s'en acquitter. Ou le jour de l'Aïd. Ou est-ce qu'elle est intimement liée au jour de l'Aïd ? Et à partir de là, le jour de l'Aïd, il commence soit au crépuscule du dernier jour, et pour la prière, elle va commencer après l'aube. Donc vous voyez, c'est ça qui fait cette divergence. Donc à partir de là, ce dernier siècle, on a remarqué dans bon nombre de pays que cette zakat était collectée dès le début du mois de Ramadan, parce qu'il y avait des programmes d'entraide entre nations carrément. On envoyait distribuer, par exemple, de la viande au Bangladesh, des denrées alimentaires, des vêtements pour enfants, des produits médicaux, etc. Donc, on faisait tout cela. Ce qui est sûr, c'est que cette zakat, contrairement, quand par exemple, vous dites, quand nous parlons de fidya ou de it'am pendant le mois de Ramadan, l'argent que vous allez donner aux pauvres, il est destiné à les nourrir. C'est pour cela qu'il est préférable d'acheter des denrées alimentaires. Mais cette zakat, elle ne concerne pas forcément la nourriture des gens. Parce que le prophète a dit « Runuhum anil mas'alati fi hadha al-yawm ». Et comme c'est une... Alors, quand vous êtes dans un culte, combien de temps nous reste-t-il ? Une minute. Quand vous êtes dans un culte, ibadah, l'aslu fil ibadat il hadr, vous allez devoir l'accomplir comme il a été fait par le messager. Le messager a donné des denrées alimentaires. Mais quand vous êtes dans un culte à vocation révélée, ibadatul ma'qulatul ma'na, c'est une purification pour le jeûneur, c'est une nourriture pour le pauvre, ou une aide pour le pauvre. Et il a dit, faites en sorte qu'il n'ait pas à mendier ce jour-là, pour tout ce dont ils auraient besoin. À partir de là, jaza daf'ul qima, c'est-à-dire qu'on peut donner de l'argent au lieu de la nourriture. C'est ce qui a été fait par bon nombre de sahaba. C'est Abu Ishaq Sabiri, qui est un grand savant tabiri, qui a connu près de 73 sahabis, a dit « Je les ai vus donner de l'argent à la place de la nourriture ».
C'est ce qui a été fait par Abdullah ibn Omar, c'est l'avis de Hassan al-Basri, c'est l'avis de bon nombre de grandes. Très bien, ça va nous permettre de sortir de toutes les polémiques. Inch'Allah. Merci Kamash Ket. Je vous en prie. Merci à toute l'équipe technique sous la direction du réalisateur Nazim Qaidi. Merci à vous de nous avoir suivis. Sahaf Turkoum, on se retrouve la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نور من العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر